Le 33, là, pardon. De pénalité en 70 bien joué. Top jument, moi je vous le dis. Magnifique. La France a ouvert par les deux dans ce championnat. Ah, il l'a mis dans le bas ce coup-ci. Ouais. Ah non, là je suis désolée, mais. Il l'avait pas. Il l'avait pas. Ah oui, non, mais j'ai vu. Non, non. Mais il l'avait pas. À compète. Oh, une barbe. Justement, il y en a une qui s'est très bien. Mais elle est pas tombée. Je pense à lui, elle est partie. Ouf. Oui. Magnifique. Elle avait 8 points sur la piste des 100 fautes, elle conserve donc ses 8 points et fera partie du dernier carré. C'était pour les écuries de Jurançon, elle avait le dossard 2 et c'était Rowina Dosé, Anne-Sophie de Villancourt. Donc elle est qualifiée. Et on donne le départ à Luc Simonet, ce coup-ci qui a 8.02, comme j'ai annoncé, avec souveraineté verte du Riol. Pour le centre équestre de Saint-Justin dans les Landes. On peut sonner. Attends, une petite seconde, Luc. Pour l'instant, donc. Qualifiés Anne-Sophie de Villancourt, Lux, Catherine Gourde, Nathalie Ogistrou, Benoît Trouillat, Nathalie Forcade, Marie Parterotte. Marie Parterotte.
grotte, donc Nathalie Macrou, Hélène Delpy et Pascal Pécou. La barre est à 22,51. Parcours sans faute de luxe qualifie donc pour une éventuelle deuxième manche, puisqu'aujourd'hui c'est Hélène Delpy. Maximum, il n'y pas. Elle arrive avec 4 points, ça fait un total de 12,02 pour Luc. Il était le tour d'honneur. C'est cuit, ouais, bien sûr. Mais elle va faire 18e. 9e, non, 9e. Je l'ai filmé. Mais pour l'instant Il en a. Attention des concurrents qui doivent discuter l'épreuve.